Corinne Adler, vous avez témoigné à la barre à ce procès de l'attentat de Copernic. Qu'était-il important de dire en tant que victime devant cette cour d'assises spéciale ? Alors, c'était important de situer d'où je viens. En effet, je viens de parents juifs allemands, de grands-parents également juifs allemands, qui ont dû fuir l'Allemagne, des arrière-grands-parents qui ont été déportés, assassinés. Donc j'avais besoin de retracer le contexte de ma famille. Mes parents se sont mariés à la synagogue Copernic, donc depuis ma naissance et même avant ma naissance, donc je fais partie de la communauté libérale. Et voilà, donc déjà de resituer le contexte, ensuite d'expliquer aux gens qui ne le savent pas et notamment à ceux qui ne connaissent pas la religion juive, ce que c'est qu'une bat mitzvah. Comment ça se prépare, ce que ça implique et ce que ça signifie dans notre culture, dans notre histoire. Voilà, donc là, c'était important pour moi de resituer le contexte. Et ensuite, évidemment, de raconter les faits, de raconter ce qui s'est passé le 3 octobre, de raconter dans quel état j'étais, dans quel état d'esprit j'étais pour ma bat mitzvah et dans quel état d'esprit m'a conduit cet attentat et les conséquences que ça a eu après, et raconter ce qui s'est passé après. Voilà, c'était surtout ça, et aussi rendre hommage à toutes les victimes qui sont décédées. Rendre hommage aussi à la jeune fille qui faisait sa bat mitzvah avec moi, qui malheureusement est décédée depuis et probablement des suites de cet attentat bien des années après, mais voilà, d'un traumatisme sévère. Et puis voilà, rendre hommage aussi aux familles de ceux qui restent et porter la parole, le témoignage. Continuer à parler des parents de Monsieur Bouissou qui apportait des fleurs blanches à la synagogue chaque 3 octobre pendant des années. Voilà, continuer à parler aussi pour la famille d'Alisa Chagrir, pour la famille de Monsieur Barbé, pour la famille d'Hilario Lopez Fernandez qui n'est plus là. La famille, je veux dire, qui n'est plus là. Voilà. La parole des victimes de cet attentat qui ne sont pas présents à ce procès, c'est important pour vous. C'est votre combat aujourd'hui, Corinne Adler. Oui, c'est une partie du combat. C'est aussi une partie de mon combat. C'est aussi de montrer qu'on est là malgré tout, que voilà, l'histoire se répète malheureusement, que la haine. L'antisémitisme sont toujours là, mais que nous, on est là aussi, on continue. Il n'y a pas de raison de ne pas vivre notre vie, notre culture dans la paix, en fait. Nous sommes à la fin de la deuxième semaine de ce procès. Le verdict sera rendu à la fin de la semaine prochaine. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, Corinne ? Dans le même état d'esprit que la semaine dernière. Je pense que c'est très bien que le procès ait lieu. Ça va nous permettre, déjà, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Je savais déjà beaucoup de choses parce que j'avais déjà eu toutes les infos que mon avocat David Perre m'a communiquées. Mais j'apprends encore beaucoup de choses en plus parce que chaque audience, chaque témoignage me permet de me poser des nouvelles questions et de répondre à certaines. Et voilà, c'est très très instructif et très important que ce procès ait lieu. Et voilà, c'est vraiment l'importance du procès. Essayer de trouver la vérité, essayer de trouver les vraies responsabilités, si on peut. C'est ça le but de ce procès. Est-ce que vous en attendez aujourd'hui que la vérité sur ce qui s'est passé ce soir du 3 octobre 1980 sorte enfin ? Oui, absolument. La vérité sur pourquoi ça a eu lieu et sur
qui est à l'origine de tout ça et de pouvoir connaître toutes les vérités. Ce serait vraiment formidable, sans tabou. Merci Corinne Adler d'avoir répondu aux questions du RCJ. Merci beaucoup. Merci à vous Laurence.